persona che è stata fin dall'inizio un punto di riferimento. È stata una delle donne, anzi la donna con la quale abbiamo iniziato a riflettere su che cosa potevamo fare per parlare del problema non solo dell'Africa, ma in particolare di quello che le donne africane stavano facendo. Perché questo era un loro grande interrogativo. Il mondo al di fuori dell'Africa si sa quello che le donne fanno in Africa. E con lei è nata l'idea, con lei, con Eugenio Melandri, che sentiremo più tardi, più avanti, è nata questa idea di candidare le donne al Nobel della pace, le donne africane, per richiamare, per portare la loro testimonianza al mondo intero. E quindi lascio la parola a Elaine Hinda, una teologa tra le più importanti e conosciute forse in Africa, che è stata 10 anni anche a Ginevra a lavorare sempre per l'Africa, in particolare per i giovani, le giovani dell'Africa. E chiedo a lei di introdurre questo significato di questa candidatura. L'occasione che è offerta oggi aux femmes africaines, dans le contexte de la campagne UPA, de dire l'Afrique et dire l'engagement des femmes africaines, a une portée significative dans notre parcours de femmes africaines et surtout en ce jour où l'Afrique est à l'honneur. Nos mères et nos grands-mères n'auraient jamais pu mener la même vie que nous. Savons aujourd'hui, à cause des pesanteurs et certaines traditions ancestrales d'une société patriarcale. À cause aussi du contexte de l'attrait des Noirs, de la colonisation et de la mission civilisatrice qui ont dominé l'Afrique et nos ancêtres. Nos pères et surtout nos grands-pères n'auraient jamais imaginé que nous, filles de l'Afrique, parlerait aujourd'hui au palais de la Farnesina à Rome. Nous, les femmes africaines, remercions du fond de notre cœur nos sœurs et frères italiens à travers Chipsi et Kiamal Africa pour avoir initié la campagne d'OPA dont la démarche est singulière et atypique. Les femmes africaines expriment leur profonde reconnaissance aux institutions italiennes, au ministère des Affaires étrangères de l'Italie et sa direction générale de la coopération et du développement, pour leur soutien solide et remarquable à la campagne NOPA. Un grand merci au groupe parlementaire italien et européen pour leur adhésion à la campagne NOPA. Une initiative novatrice qui est désormais une référence et un modèle de promotion humaine. Aujourd'hui, la contribution des femmes africaines comme créatrices de paix et de solidarité est manifeste dans les domaines qui engagent la vie quotidienne. Nous voulons parler ici des domaines économiques, politiques, culturels et spirituels. De même que la capacité de mobilisation et d'engagement qu'ont les femmes africaines dans les mouvements et les réseaux en Afrique et dans le monde. Cet important engagement des femmes africaines pour transformer positivement le destin du continent n'a pas encore suffisamment attiré l'attention. Il n'a pas non plus suscité un intérêt de grande ampleur en vue de penser l'avenir de notre continent et du monde. Pourtant, les femmes africaines ont toujours fait montre d'un courage, d'une ténacité, d'un savoir-faire et d'une détermination extraordinaire pour changer l'Afrique. Nos engagements et contributions ont permis à l'Afrique de ne pas s'effondrer et de rester debout dans les tempêtes et les agitations d'un ordre mondial de plus en plus féroce. Ce sont ces engagements et ces actions de femmes africaines que la campagne NOPA met en lumière. Nous sommes venus aujourd'hui de l'Afrique, nous sommes les femmes aussi de la diaspora. De l'Afrique, nous sommes venus du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Égypte, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, du Soudan, du Nigeria, et nous ne représentons qu'un échantillonnage
du miracle des témoignages et des actions que mènent au quotidien des innombrables et diverses femmes africaines. Nous voulons parler ici des femmes africaines simples, des femmes africaines ordinaires, des femmes africaines anonymes, des femmes africaines invisibles, mais nous voulons aussi parler des femmes africaines connues, des femmes africaines célèbres, et à tous les niveaux, de la communauté locale au niveau national, régional et international. Nos témoignages aujourd'hui ne sont pas des jérémiades. Nos témoignages ne sont pas des complaintes. Nos témoignages ne sont pas là pour présenter une image misérabiliste de la femme africaine. Nous nous racontons aujourd'hui avec courage pour démontrer notre volonté ferme à nous tenir debout et à mener le combat pour la promotion de la vie. C'est donc une prise de conscience de la situation que nos expériences quotidiennes dévoilent. Nous posons ainsi nos actions et nos témoignages dans la perspective de protestation, de résistance, de persévérance contre tous les déterminismes que la société nous impose, contre les traditions, contre les systèmes et les pratiques qui ôtent notre humanité. Oui, c'est dans les ténèbres de nos souffrances quotidiennes que jaillit notre force, cette force d'énergie, cette force d'espérance qui illumine nos visages, qui illumine nos pas, qui illumine nos actions transformatrices dans notre contexte défiant. Nous sommes aujourd'hui, nous les femmes africaines, une alternative crédible pour enfanter une nouvelle société africaine et un monde plus juste et humain. Nous nous affirmons aujourd'hui comme des êtres humains en marche, dans la plénitude de leur humanité et de leur dignité. Nous sommes les combattantes de la vie. Tous les combats des femmes africaines n'auraient pas eu l'impact qu'elles ont aujourd'hui, si derrière nous les femmes africaines, il n'y aurait pas eu le soutien indéniable des hommes africains de bonne volonté. Je parlais bien des hommes africains de bonne volonté. Nous les sommes vraiment redevables. Nous disons merci à nos hommes qui nous ont toujours soutenus. Et nous parlons encore des hommes de bonne volonté. Nous sommes fiers de nos gouvernements africains qui ont lancé l'année dernière la décennie de la femme africaine, 2010-2020. Nous avons foi qu'ils vont continuer à soutenir cette campagne ou pas, d'une manière particulière, et organiser la célébration de la consécration de la femme africaine. Pour nous, femmes africaines, nous avons déjà symboliquement gagné le prix Nobel. Nous avons gagné ce prix Nobel symboliquement parce que la campagne NOPA a ouvert les possibilités de connaissance mutuelle, d'enrichissement réciproque entre les êtres humains, les peuples et les civilisations. Pour nous, la campagne NOPA a contribué à changer l'image brouillée du continent africain dans l'imaginaire de la société européenne, en rendant visible et en faisant une large diffusion de ce que l'Afrique a de plus beau, de ce que l'Afrique a de plus grand et de plus porteur d'espérance aujourd'hui. Il s'agit des femmes africaines, la richesse de l'Afrique. La contribution des femmes africaines dans leur valeur comme des acteurs sociaux crédibles et incontournables, comme une alternative et un enjeu stratégique pour le développement solidaire, est un idée pour nous. Pour nous, femmes africaines, la campagne NOPA a une valeur immatérielle incommensurable qui tranche avec les normes matérielles et le triomphe de l'individualisme. Et cette campagne nous ouvre aujourd'hui de nouveaux horizons dans la coopération et le développement humain. Il s'agit de valeurs humaines nourries par les liens sociaux que nous tissons, les liens culturels, les liens politiques, les liens économiques entre nous les êtres humains, entre nous les peuples, entre nous les civilisations, et nous nous enrichissons des apports des uns et des autres. Pour conclure, nos témoignages et nos actions, nous les femmes africaines, sont enfin pour nous des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau répétées qui fertilisent le sol africain,
des gouttes d'eau qui font pousser des plantes. Aujourd'hui, ces plantes sont les symboles de nos victoires, les symboles de nos réussites, les symboles de notre espérance dans tous les domaines de la vie de notre continent. Que les femmes africaines passent de l'invisibilité à la reconnaissance publique, collective et mondiale de notre contribution pour l'enfantement d'une nouvelle société en Afrique et la construction d'une nouvelle humanité. Nous voilà là, debout et fortes. Que la paix de Dieu soit avec nous tous et tous. Merci pour votre attention.